va faire une sikha maintenant du Rabbi, mais c'est une sikha un petit peu particulière sur le mois de Elul et sur la avoda de Elul, sur la kavana de Elul. Et le Rabbi va se baser ici maintenant. Ouais. Je crois qu'on étudie à des mouches. Il va se baser sur un enseignement à la fois du Tzemar Tzedek et un enseignement de son père, le Rabbi. Donc ça va être appuyé Kabbalah. Alors on peut commencer directement dans cette sikha hein, qui était dit en Tafshin Lamed Gimal, Rachatrié, qui est vraiment une introduction pour entrer dans le mois de Elul. Kiyadewa Chodesh Elul Mechaber et Hashana She'Avra im Hashana She'Aba. Donc le thème d'abord, c'est que Elul, c'est quelque chose qui fait une jonction, qui fait un kesher entre l'année précédente, on est à la fin de l'année, et en même temps c'est la préparation de l'année qui vient. Après, dans la voda d'Elul, la voda kfoulaï, donc du coup, il y a une double dimension dans Elul. Premièrement, Cheshbon Tzedek à la Massim Shel Hashana She'Avra, Asiyat Shuva à la Massim Alotovim, Validezé Tikkun Vehashlamat Kol Inyanei Hashana. Premièrement, on va se retourner vers ce qui s'est passé l'année dernière, et on va faire un Cheshbon Tzedek, c'est-à-dire on va faire une vraie remise en question, ouais, Shel Hashana She'Avra. Et on va faire tshuva sur les ma'asim qui n'étaient pas bons. On va utiliser tikkun. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir réparer et compléter ce qu'on n'avait pas fait dans l'année. Donc c'est le moment, en fait, si vous voulez, de compléter ce qu'on n'a pas bien fait pendant l'année. Deuxièmement, bah c'est une achana. Les shana ba'a, c'est une préparation pour l'année à venir. Alevi kabbalot achlatot tovot. En prenant sur soi des bonnes décisions. Des maftichim, k'tiva v'chatima tova, l'shana tova metuka. Et grâce à cela, on va avoir la promesse qu'on va être écrit dans le livre de la vie et qu'on va être écrit pour une bonne année et douce, etc. Donc, premièrement, il faut réparer l'année qui a précédé. Et deuxièmement, s'engager pour une nouvelle année. Mais kevan sheshemot achodashim nissan iyar verkule em kinuim à Meshameshim, les Kodashim et Lubatora. Alors, c'est que les noms, par exemple, quand on dit Nissan, Iyar, Sivan, etc., c'est pas des noms qui sont marqués explicitement dans le Chumash. Parce que dans le Chumash, on parle de Chodesh HaRishon, Chodesh HaSheni, Chodesh HaShelishi. On parle en termes de nombre plus qu'en termes de noms. Et que, essentiellement, les noms, ils sont revenus lorsque. Enfin, ils ont été importé en quelque sorte quand on est revenu de Bavel, lorsque les volets Bavel sont revenus donc de l'exil de Bavel, ils ont commencé à appeler ces noms-là tels que c'était appelé. En fait, c'est des noms en araméen finalement. Mais, ils n'ont pas choisi n'importe quel nom, ils ont choisi des noms qui étaient en rapport avec le moi. Et donc, par rapport à des remazim qui sont dans la Torah par exemple. Alors, c'est pour ça que c'est marqué dans le Yerushalmi que ces noms-là, ils ont un remès dans la Torah. Ils sont en fait enracinés dans la Torah. Même si ça a été extérieurement, on a l'impression que c'est venu comme une importation étrangère, en quelque sorte, si on est revenu d'un pays étranger. En réalité, le Yerushalmi montre que c'était comme ça déjà dans la Torah. Il faut regarder en détail dans cet enseignement du Yerushalmi. Le Rabbi ne va pas s'arrêter là-dessus. Il va simplement dire que le nom Elul, il n'est pas fortuit, il n'est pas par hasard, il n'est pas quelque chose qui correspond à rien. Il correspond à un sens profond dans la Torah. Donc c'est pour ça qu'on va se permettre de pouvoir faire des drachotes, des explications sur le mot Elul. C'est ce que va faire le Harizal. Ici va ramener le Tzemar Tzedek, qui va ramener le Rabbi Eliezer Yitzchak, qui ont expliqué ce mot Elul comme... Pour l'expliquer, il faut qu'il soit sacré, il faut qu'il vienne de la Torah, il ne faut pas qu'il soit simplement un nom qui était une convention qui était donnée en Bavel. Donc, c'est un nom qui est sacré, c'est un nom qui est une doucha, et on peut l'expliquer. Alors, Hashem Elul, Mouvaim Gam Betorah Shebirtav, Mouvan Shehem Batim et Torno Apnimi Shela Chodesh. Et plus que ça, c'est que le nom lui-même, il va enseigner quelque chose sur... l'essence même du moi, de ce qu'il y a dans ce moi. Valdir Herze, Yeshtoma, Benyanenu, Depeshem, Elul, Merumazim, Shne Avodot, Anis, Kavod, Dechodesh, De. Eh bien, du coup, on va pouvoir retrouver dans le mot Elul, eh bien, cette double dimension dont on a parlé, celle à la fois tournée vers
l'année qui vient de passer et celle tournée vers l'avenir à venir. Velachen, Matsinu ben Aremazin beteva telul, sheteva zu nichleket de shne chalakim. Alors, on va voir en fait que le mot Elul lui-même, qui est composé de quatre lettres, il se dépose, il se divise en deux syllabes, et ces deux syllabes, eh bien, vont correspondre justement à ces deux advodot. On a dit El et Loul, enfin et Oul. Alors, en fait, ce qui va être intéressant, c'est que le Tiamat Tzedek, il va les prendre à l'envers, hein, même si dans le Arizal, c'est marqué effectivement, il y a la dracha de El et de Vav, c'est-à-dire Aleph Lamed et Vav Lamed. Ici, le Tiamat Tzedek va en faire une autre dracha encore. Il va nous donner une dracha où il va prendre les deux lettres Lamed Aleph et les deux lettres Lamed Vav, qui constituent donc le mot Elul. Hein. Elul, ça s'écrit Aleph Lamed Vav Lamed, mais en fait, on peut couper le mot en deux. Et d'un côté, on va voir Aleph Lamed, et de l'autre côté, on va voir Vav, Vav Lamed. D'accord ? Vous pouvez prendre le mot d'Elul qui est écrit en haut de la Sikha, vous allez voir. Alors. Et donc on verra que ces deux parties du mot Elul correspondent à ces deux aspects de la avoda du mois d'Elul. D'accord ? Bête. Alors, il va premièrement, comme on vient de le dire, ramener un remes qui a été donné par le Tzemar Tzedek, donc Torah. Et c'est quoi, hein ? Premièrement, Biur Kvot Kedushato château Admour à Tzemar Tzedek. Sheteva Elul Murkevet Mishne Tevot Lamed Aleph d'un côté et Lamed Vav de l'autre côté. D'accord ? Alors quand tu dis Lamed Aleph, comment ça se dit Lamed Aleph ? Dans le mot Elul, c'est marqué Aleph Lamed. Mais lui, il le prend exprès comme ça, une combinaison Lamed Aleph. Lamed Aleph, ça veut dire quoi ? Ça veut dire l'eau. L'eau, hein ? Ouais. L'eau, ça veut dire ne pas. Bonsoir. Bon, Chabar. On l'a déjà fait. On les aura un peu spéciaux en ce moment. Alors, Lamed Aleph, ça veut dire l'eau. Et d'un côté, Lamed Vav, on va voir ce que ça veut dire. Alors, Lamed Aleph, quand on écrit avec un lef, Moré à la Keter. Alors, ça fait référence à Sphira de Keter. On ne va pas expliquer maintenant pourquoi le mot l'eau, qui est une liane de. Qui veut dire non, qui veut dire la négation, il représente Keter. Parce que Keter représente pour. Représente en fait dans les sphirotes le niveau de l'unité divine qui est au-delà de la saga. C'est pour ça que on ne peut pas le définir de manière affirmative mais de manière négative, ce qu'on appelle derer Ashlila. Ouais. C'est-à-dire, c'est comme si tu veux définir Hachem en disant il est ni ceci ni cela. Tout ce que tu peux dire sur Hachem, ce n'est pas encore lui. Même quand tu dis qu'il est grand, qu'il... Il est grand, mais il n'est pas grand tel que tu conçois la grandeur. Il est au-delà même de la grandeur que tu peux concevoir. Donc en fait. Sur non, la réponse. C'est ça. C'est-à-dire, c'est toujours par la négation. D'ailleurs, le mot que tu réfléchis, en fait, si tu veux, le mot Ensof, qui correspond d'une certaine manière à la sphère de Keter, comme on le distingue, mais ça correspond au niveau d'un certain point de vue, c'est une négation. Il n'a pas de sof, c'est-à-dire il n'a pas de définition. Tu ne peux pas lui donner de limite. Il est au-delà, quand tu dis une limite, c'est ce qui permet de définir. Mais tu ne peux pas le définir, Hachem. Tu peux le définir, tu peux le définir, entre guillemets, que de manière négative. Donc c'est ça que le mot lo est un remez, puis Kabbalah, dans, et puis Chassidut, du niveau supérieur, du niveau de, qu'on appelle de Keter. Ok ? Ce qu'on appelle aussi, bon, dans, en Lachon Chassidut, c'est quelque chose qui est les ma'alam et c'est des rachetachilot. Au-delà, si vous voulez, de toute la relation de causalité, au-delà de des explications en quelque sorte. Par contre, quand tu écris vélo avec un vav, lamed vav, alors moré azir anpin inyan ishtalshelut. L'eau, il y a plusieurs manières de dire. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire l'eau, lamed vav ? Le sens du mot l'eau, ça veut dire lui. Donc lui, ça veut dire on peut déjà, on peut parler déjà de lui. Du keter, tu ne peux pas parler, c'est au-delà de ce que tu peux dire. Mais quand même, Akadosh Baruch Hu, je sais qu'il est clément, je sais qu'il est bon. Il y a quelque chose de lui que je peux parler. Que je peux parler, en fait, au niveau, ce qu'on va appeler ça, au niveau des sphirotes, ou ce qu'on appelle ici le petit visage d'Hachem. Le Keter, c'est le grand visage, celui qui est inaccessible, d'une certaine manière. Alors que le petit visage, ça, c'est au contraire le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. D'accord ? Pour ça, le mot Lamed Vav fait 36 en guématrie. 36, c'est 6 fois 6. Donc ça veut dire que c'est les 6 directions de l'espace dans toutes leurs dimensions.
D'accord? Donc ça veut dire c'est le dévoilement de Dieu dans le monde. Il y a Dieu qui transcende le monde et il y a Dieu qui se révèle dans le monde. Ce sont deux aspects du divin. Et ces deux aspects du divin, eh bien, on les retrouve ici, dans ce mot Elul. Parce que d'un côté, on a Lamed Aleph, qui veut dire la notion de transcendance du Keter. Et d'un autre côté, on a Lamed Vav, qui veut dire au contraire la présence et le dévoilement du petit visage d'Hachem. Petit visage, ça veut dire qu'il est, c'est comme s'il est Metsamtsem Atmo, il se contracte pour apparaître vers nous. Alors, il y a un verset ici qui est dit, que le prophète Isaïe a dit, qui s'écrit d'une manière différente de la manière dont on va le lire. Ce qu'on appelle le ktiv et le cri. Ce que c'est le ktiv, c'est des fois des mots qui sont écrits dans la Torah, dans les Névi, qui sont écrits avec une certaine orthographe, mais qui se prononcent avec une autre orthographe. Ici, il y a un verset étonnant qui dit « Bekol tsaratam lo tsar shakatuv ou lo tsar veakri ou lo tsar ». Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on regarde dans l'écriture, c'est comme s'il était écrit « Dans toute leur souffrance, lui, il ne souffre pas », mais la manière dont on le lit, c'est « Dans toute leur souffrance, lui, il souffre ». Votre avis, Akadosh Baruch Hu, il souffre avec nous ou Hachem, il ne souffre pas avec nous? Alors, ça dépend de quel point de vue on se place. Du point de vue de Isaïe, de Yeshayahu. Et le fait que ce soit écrit dans l'écriture avec un Aleph, ça veut dire l'autre, ça, il ne souffre pas. Ça veut dire quoi, il ne souffre pas? Ça veut dire qu'il est au-delà du monde. Mais quand on dit l'autre, ça, lui, il a une souffrance, ça veut dire c'est l'aspect de Dieu qui est dans le monde avec nous, qui souffre avec nous dans la galoute. D'accord? Et les deux sont vrais. Il y a quelque chose que... Ce qui est du niveau du Keter ou de l'essence de Dieu, c'est... Comment? Elle dépasse le monde. Elle n'est pas atteinte par ce qui se passe dans le monde. D'accord? En revanche, l'aspect d'Hachem qui se dévoile au milieu des Bnei Israël qui sont dans la galoute, alors la Shrina aussi, elle souffre avec nous. Et c'est ça le remez qu'il y a ici dans ce verset qui peut s'écrire et se lire d'une manière différente. Donc il fait référence à ces deux aspects aussi du divin, si vous voulez. Alors, chez Sham, Inyanim, ou Matsava, chez la Tartoni, Mainan, Tofes, Makom, quand on dit l'eau, c'est au niveau du Keter, effectivement, quand ce qui est au-delà du Seder Hashtal Shalit, la souffrance, elle n'atteint pas, c'est quelque chose qui est... C'est au-delà, c'est un détachement total. Mais par contre, donc c'est ce qu'on appellera ici, Bechol Saratam, l'eau de ça. Il n'y a pas de souffrance dans leur souffrance à eux. Il n'y a pas de souffrance pour Dieu qui est Vilou bechol sarata vlotsar. Mais si c'est écrit avec un vav, alors umitzat zeiranpin, c'est des rechta shelut. Au niveau donc du dévoilement des sphirotes, au niveau de l'rechta shelut, sheboyesh tfisat makol et matzavam minanim chez la tartonim. Où là, effectivement, il y a une place en quelque sorte à ce qui se passe pour les tartonim, pour les êtres d'en bas. Hein, on dit toujours, c'est marqué, le Ramchal aussi en parle. Il y a deux anagotes. Il y a une anagote à Yichud, celle du Keter, celle de l'essence de Dieu, qui est au-delà de nous, d'une certaine manière. Et il y a l'anaga de Mishpat, c'est-à-dire comment Kadish Boku, il rentre dans notre vie à nous et comment nous, on intervient par rapport à ça. C'est-à-dire que l'autre aussi, on ne peut pas intervenir, mais c'est d'une autre manière. La Sheikhud de Shni Nyani Melou, l'eau be Aleph et l'eau be Vav, et Chodesh Elul. Alors si on veut montrer ça dans le mois des loups, alors, on a déjà vu, d'ailleurs, dans un Mahamar qu'on a étudié cette semaine, dans un des Farbroniens qu'on a fait, c'est qui est basé sur en fait un enseignement du Admor HaZaken, qui explique en deux mots qu'il y a la Midat HaRachamim, qu'on appelle aussi les Yud Gimel Midat HaRachamim, qui brille pendant tout le mois des loups. En réalité, c'est pas n'importe quel niveau des Yud Gimel Midot Rachamim, expliquez-moi, c'est même la pnimiut des Yud Gimel Midot Rachamim. Pnimiut de la Malchut, c'est quelque chose qui vient d'un niveau profond et qui viennent en fait, qui sont ce qu'on appelle chez les Ma'ala Mishtal Shelut, qui vient d'un niveau d'au-dessus justement du monde. C'est quoi là? Parce que quand on a dit la Nagata Yichud ou qu'Akadosh Baruch Hu, il est au-delà de notre souffrance, ça ne veut pas dire qu'il est égoïste, ça ne veut pas dire qu'il ne sent pas non plus. Ça veut dire que c'est une rachmanout qui est
qui est beaucoup plus grande que ça, qui est au-delà du monde. Parce que c'est comme si nous, on a, pour vous donner une image, c'est comme si on a une petite vision, on est limité dans nos choses, mais beaucoup, il a une bonté très très grande pour nous, immense, même au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. C'est ça le Yud Gimel Midot HaRachamim qui se dévoile pendant les jours. On va voir, en fait, c'est une bonté, un amour qu'Akadosh Baruch Hu il a pour le peuple d'Israël qui est infini. Et ça, ça se présente pendant le mois d'Eloul. Ouais. Comme ça qu'il explique le Admor HaZaken avec son fameux machal du Meler Bassadé, du roi qui est dans le champ, hein, qui veut dire qu'Akadosh Baruch Hu il vient et il nous aime, quel que soit le matzah, le metsiud dans lequel on est. Même si on n'est pas tout à fait correct, même si on a fait des bêtises, même si on n'a pas des vêtements propres. Mais malgré tout, l'amour d'Hachem, il est indéfectible et il se révèle pendant ce mois-là. C'est ça qu'on dit qu'il y a la pnimiut de Miyut Gimel Midot HaRachamim qui est au-delà de la Hishtashim, c'est au-delà même de tout ce qu'on fait, nous. Donc ça va rejoindre cette idée qu'il y a un niveau du divin qui est au-delà de nous. Et quand on dit au-delà de nous, ce n'est pas un égoïsme par rapport à nous. C'est au-delà de nous, au-delà de même ce qu'on fait. Tu comprends ? Tu peux aimer ton enfant et vouloir attendre des résultats de lui, vouloir qu'il avance dans certaines directions, etc. Et donc, tu vas lui montrer une certaine manière de le diriger, de l'orienter. Mais il y a aussi un aspect qui dépasse tout ce qu'il fait, qui est un amour pur, simplement parce que c'est ton fils. D'accord ? Et c'est ça ce qui se révèle pendant Elul. C'est ce qu'on appelle donc le lo be'alef. Vous voyez pourquoi c'est le lo be'alef ? Parce que c'est l'amour qui vient du Keter, qui est au-delà du Seder Eshtal Shelut. Même si on a fait n'importe quoi pendant l'année, avec Kadosh Baruch Hu nous aime quand même. Aval erazu ibeofen shenimshichu be'eshtal Shelut bebekinat pinyut lo be'vav. Et d'un autre côté, Kadosh Baruch Hu nous montre cet amour pour que quelque part on ait aussi envie de changer. On a envie d'amener ça dans quelque chose de plus concret, de plus présent dans notre vie. Okay? Donc ça correspond au lot avec un vav, comme les midot. D'accord ? Parce que les zéanpin, ça correspond aux midot, c'est-à-dire ce qui rentre dedans. Ok, donc ça c'est le premier remes que dit le rabbi ici, mais qui est au nom en fait du Tzemar Tzedek. D'accord ? Troisième rabbi de Chabad. Maintenant il va ramener un autre remes au nom de son père, qui était aussi un grand Mekoubal, Rabbi Levi Yitzhak. Pirouche, donnez-nous avis, à donner avis, Mori Rabbi, c'est quoi hein? C'est chez Hachem, Elul, Murkav, Betivot, Alev, Vav, et Shniotiof, Lamed, Lamed, si vous voulez. C'est une autre manière maintenant de permuter les lettres. Il dit, d'un côté, je vais prendre la lettre Aleph et Vav, et de l'autre côté, je vais garder les deux autres, les deux dernières lettres, qui sont les deux lamètres. Okay. Alors, quand tu dis Aleph, Vav, O, c'est Moré al-Sfirat al-Malchut. Vous savez que le père du Rabbi, il va directement dans l'explication par les Sfirot. Il dit, quand tu prends cette permutation Aleph, Vav, eh bien, c'est expliqué dans le Zohar que ça représente la force de la Malchut, et on va voir quelle force de la Malchut. Malchut, ça veut dire le fait qu'Akadosh Baruch Hu règne, que c'est lui qui est la source de tout ce qui se passe dans le monde. Kedaita Bezoa, Ushnotiot Aleph Vav, Romezot Alshne Abechinot Aikirot de Malchut. Et en fait, là-bas, le Zohar explique que Aleph et Vav sont deux lettres qui représentent la Malchut. Aleph représente le Keter de la Malchut, d'accord ? Et le Vav représente le Da'at de la Malchut. C'est le Shem, c'est des noms un peu du Kabbalah. C'est quoi le Keter de la Malchut? C'est la partie supérieure. Ça correspond à ce qu'on a vu tout à l'heure, le Nian qui est au-dessus de l'Ishtashemut. Et le Vav, qui représente au contraire la Hamshacha, c'est juste. On appelle ça le Da'at, le Zohar appelle ça le Da'at, parce que le Da'at, c'est ce qui vient ouvrir les Midot, c'est la clé pour ouvrir les Midot des Zohar. C'est ce qui vient, c'est ce qui est, c'est Hamshacha. Autant le Keter, c'est le lien de Bitul total Hachem, autant le Vav, bah c'est le Vav, c'est-à-dire le Da'at, pardon, c'est le Vav ici, eh bien ça correspond hein, au contraire à essayer de mettre de l'intelligence pour essayer de transformer notre vie. D'accord. On doit avoir les deux.
Donc si on veut la malchut, si on cherche à comprendre la malchut d'Hachem, il va y avoir cette double dimension à la fois de Keter et de Da'at, de malchut, qui seront symbolisées ici par ces deux lettres, Aleph et Vav. Maintenant, il reste encore les deux autres lettres, les deux Lamed. Eh bien, Lamed, ou je n'ai pas dit Lamed, Morot al-Shloshim amaalot chez Malchut Niknit Ba'en. Vous savez que la lettre Lamed fait 30 en Gematria. C'est marqué dans Pirkei Avot que pour atteindre la Malchut, pour atteindre la royauté, il faut 30 qualités. Okay. Et Vekevan Shinyanze chez Malchut Niknit Be'Shloshim Ma'alot. Étant donné que la Malchut, la royauté est acquise par ces 30 qualités, Am Shacha Elyona Nimshret Be'Malchut Sarif Liot Be'Shne Be'Chinot Anan de Malchut. Alken ba lamed en achar alef ve en achar avav. En réalité, c'est comme si ce alef il représente le keter nu de Malchut. Il faut 30 aspects pour le manifester, pour le trouver, pour l'exprimer. Et le vav il représente un autre aspect, le da'at de Malchut. Il faut aussi 30 ma'alot pour pouvoir le dévoiler. C'est pour ça que ça représente, c'est pour ça qu'il y a un lamed qui est marqué juste après le alef. Et un lamed qui est marqué juste après le vav pour dire ce sont les 30 ma'alot pour révéler le aleph et 30 ma'alot pour révéler le vav de la malchut, c'est-à-dire le keter et le da'at, c'est-à-dire les deux aspects de la royauté. Qui dans notre avoda, on va voir à quoi ça correspond. Il précise c'est quoi les 30? Les 30 c'est 60, c'est 60. Alors, 30, 30 pour le da'at et 30 pour voilà, le mais à chaque fois c'est les 30 ma'alot de la malchut. C'est un vrai okay. Mail si tu veux. Ça prend 30 étapes pour aller élever. Là-bas, dans Pirkei Avot, c'est marqué qu'il y a 30 qualités qu'il faut pour le roi. Tu veux régner, il faut que tu aies 30 qualités. Ouais. Tu vas prendre la Torah, elle cite 48 qualités pour être un vrai Talmid Chacham. Il faut avoir des midot, il faut avoir des qualités. Si tu veux régner, c'est pas n'importe qui peut s'inventer roi. Ouais, ouais. Mais là, on parle de au niveau personnel, ça veut dire. Alors, c'est sûr qu'on parle pas simplement du roi d'Israël, on parle aussi, si tu veux, de la notion de la mida de Malchut, de la qualité de Malchut. Parce que c'est marqué dans plusieurs Sfarim, le Rabbi le ramène aussi, qu'il faut, tu dois être mêlère dans ta maison, tu dois être mêlère dans la Malchut, elle peut s'appliquer dans diverses dimensions, si tu veux. Tu vois. Mais, Hazak. Alors, c'est ça l'idée, en fait, que la malchut, elle peut s'exprimer à tout niveau. Rabbi Nachman, d'ailleurs, il parle aussi de ça. Il dit, tu peux... n'importe qui, même la personne que tu vois la plus simple possible, la plus humble, en réalité, elle est mêlée sur quelque chose, elle est mêlée sur quelqu'un. Il y a toujours quelqu'un qui dépend d'elle, en quelque sorte. Okay. Alors... Si on veut maintenant retrouver ça dans le mois d'Elul, alors il y a deux aspects. Il y a premièrement, Korban Abayit chez Bechodesh Av, Paga Beikar Besuat Amarut. D'un côté, si on s'en tient au Korban Bet Amidash qui a eu lieu donc avant, en particulier dans le mois de Av, c'est pas grave, ça ne dérange pas David. Alors, si tu t'en tiens à ça, alors le Khurban, en fin de compte, il a affecté surtout ce qu'on appelle la Sfira de Malchut. Effectivement, la destruction du Beit HaMikdash, ça a repoussé non seulement la royauté d'Israël, mais même la royauté d'Hachem. Le Bgam, il est dans la Malchut par excellence. Ubimé, Ratzon de Chodesh Elul. Mais après, qu'est-ce qu'il y a? Il y a Elul. Et Elul, on a dit, c'est un moment de être Ratzon. En fait, la construction ou la reconstruction de la royauté, du principe de royauté, le principe du fait que Kadosh Baruch Hu va régner sur les hommes, eh bien, ça commence pendant le mois d'Elul. Évidemment, pendant Tishri, on va le proclamer, mais ce binyan-là, on commence à le faire pendant Elul. Donc c'est vraiment un tikkun de la malchut, pour reprendre ce lachat. Gimel. Veyesh lomar chez Kesher ben Pirouche, entre le Pirouche du Adoni, Avi, Mori,
les rabbis, c'est-à-dire le père du rabbi, les Pirush à Tzemar Tzedek, ou l'orak basé chez Shneyem Moré à Aleph, à la Keter, Shneyma, à la Mishtachelut, à Avav, à la Mishachat, à Bepniut. Ce n'est pas simplement ces deux aspects qu'on a vus, qu'on retrouve chez les deux, puisque c'est finalement les deux explications se rejoignent. Un, le Aleph représente le Keter, l'autre, le Vav, représente Zeranpin, le Dat. D'accord ? Mis entre parenthèses, Za, qui est Pirush à Tzemar Tzedek, Odat, Shiwa, Maftecha de Kalil Shit, qui est en fait le Vav aussi du Dat, il inclut donc les six midot de Zin. Et la gamme, Benogéa, les Tevot, Lo, Velo, c'est-à-dire Lo avec un Aleph et Lo avec un Vav, Shinit Pirush, Bebiyur à Tzemar Tzedek. Alors en fait, c'est pas simplement qu'on a vu les deux aspects de la Malkroute avec le Aleph et le Vav, mais c'est même le mot lo, aleph, et le mot lo avec un vav, tel qu'on les a vus au début. Vous vous rappelez, lo, on a dit, c'était l'aspect aussi de Keter qui était transcendant, et la medvav, au contraire, quelque chose où Hachem il se révèle. Atam sheshne bichinot haikarut de malchut en keter de malchut, vida de malchut. Si on reprend ce qu'a expliqué le Zohar, qui était ramené par le Rabbi Levi Tzrak, que le Icar dans Malchut, c'est à la fois Keter et Da'at. C'est un peu surprenant, c'est pas évident, mais c'est ce que Zohar avait dit. Alors, pourquoi alors, Rabbi Levi Tzrak, il explique ça. Qu'est-ce qu'il explique? Il dit « Chez Reshit Kol, Tzavi Liot, A Oneg, Vahatson, Nimlor, Zeu Keter, Malchut. » Quand tu dis Keter, à Pirasigut, le Keter, c'est une force qu'on retrouve par exemple dans notre Neshama sous forme de plaisir et de désir. Le Keter, c'est le début des Sphirotes, d'accord, c'est la première Sphira. Donc tout projet va commencer par Keter en quelque sorte. Par exemple, tu veux habiter dans une maison. Tu as décidé d'habiter dans une maison. Okay. Ça commence par quoi? Avant que tu ailles voir un contracteur, avant que tu ailles voir un architecte, que tu ailles voir un banquier, ça commence par une chose en toi, qui est un désir d'avoir une maison. Et même à l'intérieur de ce désir, il y a un plaisir d'avoir une maison. Il y a un tannou. Tu t'es dit, ouais, je vais kiffer d'avoir un toit, de mettre ma famille dedans. Et c'est ça que je veux. J'ai un ratson, j'ai un désir. Ça, si je l'écrivais dans la structure des sphérotes, ça correspond à la sphère de Keter. Après, il va falloir la chorma, il va falloir commencer à imaginer quel type de maison tu veux. Est-ce que tu veux un appartement? Est-ce que tu veux une maison de campagne? C'est quoi? Qu'est-ce que tu veux? Après, il va falloir que tu vas bina, c'est-à-dire que tu vas commencer à faire des plans. Ouais, je veux sur 3 étages, avec tant de salles de bain, etc. Okay. Et après ça, hein, il va falloir passer dans l'action. D'accord. Mais ça commence par quoi, toujours? Par un ratson. Par un ratson, et à l'intérieur de ce ratson, il y a un tanou. Sont les deux. Puis Kabbalah, ça correspond aux deux aspects du Keter. Tanouk, c'est la pnimiot à Keter, et le Ratson, c'est la ritsonimiot à Keter. Mais ça, c'est juste une parenthèse. Et donc, ce qu'il te dit ici, c'est que pourquoi, il va t'expliquer pourquoi Keter et Da'at sont ce qu'il y a de plus important dans la Malchoute. Parce que quand on parle de Keter de Malchoute, en réalité, ça veut dire quoi? C'est le désir et le plaisir de régner. Si tu veux diriger une entreprise, Faut que t'aies envie. Si t'as pas envie, ça me saoule, moi je vais être dans mon coin, je vais faire mes 9h-5h, rentrer chez moi le soir. J'ai pas envie de me casser la tête à régler des problèmes entre les employés et avec des fournisseurs, etc. C'est pas mon truc, la direction. T'as pas envie, tu peux pas régner. Mais si tu as envie, j'ai envie de monter un projet, de faire grandir une entreprise, etc. C'est cette envie, cette motivation, ce ratson, ce plaisir que t'as à faire. Si t'as pas de plaisir, t'as pas de ratson, enfin, tu comprends? Eh bien, c'est ça qui fait que tu vas entreprendre quelque chose, dans tout. Donc c'est pour ça que on parle ici de la malroute. Pourquoi c'est ce qu'il y a de plus important? Parce que s'il n'y a pas ça, il n'y a rien. Après, c'est des détails en quelque sorte. Hein. Après, c'est juste une mise en forme. Mais il faut déjà avoir cette envie. Quand tu n'as pas d'envie, on dit tout le temps, il n'y a rien qui remette des finales à ça. Il n'y a rien qui s'oppose à la volonté. Ben, c'est exactement ça. C'est-à-dire, quand tu as la volonté, en fait, tu as cette énergie primordiale, première, en fait, qui fait qu'après tu vas pouvoir développer et construire. Donc chez Rishit Kol, Tzavir Liyot, Aoneg, Varatson, Nimlor, Vezeu, Keter, Malchut. C'est ça qu'on appelle Keter, Malchut, c'est ce désir de régner.
chez Keter ou Aoneg Veratson. Parce que Keter, encore une fois, c'est Oneg Veratson. Valkevan chez En Meler Beloa. Mais d'un autre côté, la royauté, ça ne peut pas se faire tout seul. Il faut que le roi, il ait aussi un peuple et qu'il y ait un désir du peuple, qu'il y ait une volonté du peuple. Ouais. Alors, aval kiven she'en meler beloam, tsarir ameler le tsamtsem atzmo ou le amshir atzmo alam. Il faut d'un autre côté que celui qui va régner, il ne reste pas dans sa tour d'ivoire en se disant ouais, je vois le projet, je vois le projet, mais descends et rentre avec ton équipe, commence à discuter avec eux. D'accord ? Et c'est, va maintenant organiser, va régler le problème de cette secrétaire qui est énervée. Rentre dedans. Tu comprends ? D'accord ? Ou les Amshir Atzmo Elaham, Vezeu Da'at Amalhout. Et là, c'est cette descente, ce Timsum qui s'appelle Da'at de Malhout. Vous voyez ? Donc il y a le Keter de Malhout qui est le désir, la volonté, l'envie de régner. Mais après, il y a la descente dans quelque chose de concret pour établir ce règne. Ouais. Ça, ça veut dire c'est les Amshir Atzmo Elaham. C'est-à-dire qu'il faut aller près du peuple. Tous les dirigeants ou les despotes qui sont fermés dans leur tour d'ivoire et qui n'ont pas de contact avec le peuple, ils vont vers une catastrophe. Ouais. On dit ça aujourd'hui de Poutine, qui n'a pas de connexion avec la réalité. Il ne sait même pas ce qui se passe sur le champ. Et dans son truc, comment tu veux qu'il règne ? Bon, je ne sais pas, c'est peut-être un mauvais élément, peu importe. Mais l'idée, on la comprend. Un roi qui n'est pas en connexion avec le peuple, il est complètement à côté. Je ne sais pas, des fois... Ça arrive des fois dans des entreprises qui sont rachetées par une grande entreprise. Et c'est une entreprise qui marchait un peu bon papa depuis 30 ans. Elle a maintenant été rachetée par IBM ou par un truc qui... Et eux, ils veulent imposer un modèle, un système. Mais ça ne marche pas avec ces équipes-là parce qu'ils n'ont pas cette manière de travailler. Ils étaient beaucoup plus efficaces avant que tu leur mettes leur nouveau modèle qui est soi-disant le modèle le plus moderne de la gestion d'entreprise. Non, ce n'est pas vrai. Eux, ils fonctionnent de leur manière. Pourquoi ? Parce que c'est détaché du peuple. Les nouveaux dirigeants, ils ne connaissent pas ce pays, ils ne connaissent pas ce genre d'équipe, ils ne connaissent pas, connaissent pas la réalité sur le terrain. Donc ils sortent de leur grande école, okay, où ils ont appris les grandes écoles de commerce comment faire des trucs, mais ils n'arrivent pas à intégrer dedans, parce qu'il manque le Da'at. Ils sont dans le Keter, mais ils ne sont pas dans le Da'at. Tu vois ? Da'at, ça veut dire que tu rentres dans le peuple, tu te mets au niveau des problèmes des gens, et tu règles les problèmes des gens. T'es pas en train de régner. Si tu es en train de régner sur ce pays, tu n'es pas en train de régner sur un autre. Ce n'est pas la même chose. Tu ne vas pas gérer... Des Européens comme des Américains ou comme des Asiatiques. C'est une autre manière de fonctionner, c'est il faut que tu sois à l'écoute et donc tu te mettes au niveau des gens. Okay? Ça s'appelle Da'at de Malchut. Vechiluk ben shne abechinot anal mitzad ha'oneg ve'ratzon limlor muvdal ameler adayin me'adam. Parce que dans le premier aspect, l'aspect du Keter, où effectivement c'est le oneg et le ratson de le plaisir de diriger, tu fais un kiff de diriger, mais tu n'es pas encore en contact avec le peuple. Et nous, chez Benyanze, Mourgeshet Adanim, Romemout, Veitnasout, Shelo. De ce point de vue-là, toi tu es au-dessus, oui, ok, toi tu es un CIO, un PDG extrême d'une multinationale, mais tu n'es pas en contact avec le peuple. De ton point de vue, à toi tu es très élevé, toi tu es un grand, toi tu es haut. Okay. Mais la chère, de ce point de vue-là, le peuple, il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place. Il y a le roi, ok, c'est le roi, tout le monde le connaît, etc. Mais le peuple, bon, les employés, ils ne sont pas là. On ne les calcule pas, là, maintenant. D'accord ? Mais chez Enken, Bedergot, Da'at de Malchut. Mais quand on se place de l'autre point de vue, du point de vue ce qu'on appelle Da'at de Malchut, où effectivement, le roi, il est obligé maintenant de descendre, où le chef d'entreprise, il vient, il commence à coacher. À coacher ces gens, à faire des tables rondes, à discuter avec eux, etc. Être à l'écoute des problèmes de l'entreprise, etc. Eh bien, chez Zéou, Kéfi, chez un élève Nimchar, Veyored El Aham, ça c'est le roi qui descend au niveau du peuple, ou Mani Gotam, et qui les dirige, à l'aider Rouké Ameler. Donc évidemment, il les dirige avec ses lois, avec les lois qui sont établies dans la société, donc, enfin qui sont établies dans la royauté, si vous voulez. Sham Noged Anagata, mais là, le peuple, eh bien, il intervient. Eh bien, les gens, ils peuvent dire, oui, mais écoutez, nous, c'est plus efficace quand on fait comme ça, et laissez-moi prendre des initiatives, je vais vous régler le problème. D'accord ? Il y a toute une tendance aujourd'hui dans l'entreprise à laisser de plus en plus de place à l'indépendance des employés. Ils se sont rendus compte que c'est beaucoup plus efficace.
Parce que les gars, ils sont sur le terrain, ils ne sont pas obligés d'aller demander l'autorisation à ce niveau, qui va demander l'autorisation à ce niveau, et puis ça redescend pour qu'on lui permette finalement d'aller chercher la clé dans le placard pour réparer le truc. Alors que si tu n'avais pas demandé tout ça, lui, il n'a pas besoin, il n'a même pas besoin de la clé, il va et te répare le truc, il n'a pas besoin de toi. Et ça marche. D'accord, bon, l'histoire, l'image, elle est un peu. Mais ça, c'est est-ce que tu laisses de la place au peuple? Et dans la malroute, il y a aussi de la place au peuple. On va voir où est-ce que le rabbi est en train de nous amener, si vous voulez. Il est pas en train de nous faire un cours de coaching d'entreprise. Il va nous appeler sur quelque chose qu'on a à faire pour le mois d'Eloul. Vezeu Asheikhoutz Ben Biyou Avi Adoni Avi Mori Verabi. On n'a pas l'habitude de lire ces mots-là dans les lettres du rabbi. Le Pirouch Hatzemer Tzedek, donc c'est ça, la chéchou qui est entre les deux Pirouchim, celui de Rabbi Levi Tzrak et celui du Tzemer Tzedek. Chetevat Eloul, Itzirouf, Lamed Aleph et Lamed Vav. Donc on va retrouver ces deux aspects qui, Bebechinat Keter de Malchut, du point de vue de ce qu'on a appelé le Keter de Malchut, Sheba Maase Atartonim Enam Tofsim Makom, où là il n'y a pas de place pour les Tartonim, Ine Bekol Saratam Lotzar. Alors effectivement, on peut lire le Passouk avec un Aleph et dire que. Dans toutes les tsarotes qu'ils ont, le peuple, il n'y a pas de tsar pour lui. On a vu l'image. Le patron, lui, est dans son truc. Il ne sait même pas ce qui se passe chez les employés. Il ne ressent pas. Pourtant, là, ils ont tous besoin d'une augmentation. Ça ne fonctionne pas comme il faut, etc. Mais lui, il ne sent pas. Il est au-delà. Évidemment, pour Akedosh Baruch Hu, il n'est pas au-delà au sens comme ça. Mais c'est-à-dire, c'est un degré où il n'y a pas de place pour l'inférieur. C'est l'unité divine. C'est l'absolu divin. C'est Keter. D'accord. C'est la Itnasut. Du Hélium, mais il n'y a pas de place pour le tartan. Machin Ken, Bedargat Dad de Malchut, mais quand on vient dans cet aspect plus inférieur qui descend, qu'on appelle Dad de Malchut, eh bien, Sheba Yesh, la M Tfisat Makon, là, il y a une place, effectivement, pour le peuple, et donc ça s'appelle Bekol Saratam, l'eau avec un Vav Tsar, c'est-à-dire que c'est comme si Dieu il souffre avec nous, c'est-à-dire qu'il y a une implication. Une descente en quelque sorte du divin au sein des créatures ici, dedans. Donc on retrouve ces deux aspects, encore une fois, là, dans cette explication qu'on avait donnée, qui avait été donnée dans le Tzemar Tzedek. Donc c'est complètement relié avec ce qu'a dit le Rabbi Levi Tzrak, qui a distingué entre Keter de Malchut et Dad de Malchut, et ça représente et ça correspond donc à ce qu'a dit le Tzemar Tzedek avec ses drachas sur l'eau et l'eau. Ok. Alors maintenant on revient à notre sujet, c'est-à-dire le fait qu'il y a les deux aspects dans Elul. À la fois vous rappeler le tikkun de l'année qui est passée, et d'un autre côté, l'engagement vers l'année à venir, on appelle l'Achlata. A tikkun shet shana she'avra, ve'achana le shana haba, areem beklalut be'itam le shnei inyanim ine de'ilul. Eh bien, effectivement, ces deux aspects qu'on vient de mentionner, on les retrouve dans cette double dimension du mois d'Elul. Ikar avoda de rosh shana, ilifol et inyan tamlichuni alechem. En fait, qu'est-ce qu'on est? On est avant Rosh Hashanah. Et Rosh Hashanah, le Icar, c'est faites-moi régner sur vous. Tamlichuni alechem. D'accord? Aktarat akadosh bochou leorer et etnasut aatsmit sheba entfias makom la setartonikela. D'un certain point de vue, Rosh Hashanah, c'est de dire Dieu, c'est toi le roi. Ouais. Nous, on n'est rien. Hein? Premièrement, on est battel complètement. Il y a un point, le roi, c'est le roi. C'est d'abord le roi, d'abord le Meller, d'abord Bitoul. Tu vas dans la farbrinienne du Rabbi, d'abord, tout le monde s'efface. Après, effectivement, quand tu vas rentrer Beyechilut, il va s'intéresser à toi, il va rentrer dans ton problème. Mais d'abord, qui tu es pour parler, on est rien. On donne l'Eidnasut au Tzadik, au Meller, à Kadosh Baruch Hu. Toujours, c'est le même principe. C'est une annulation en quelque sorte du bas pour laisser toute la place à Dieu. Donc ça correspond à ce qu'on a appelé le Lamed Aleph, le Aleph, le lot avec un Aleph, dans lequel il y a un Kachem. D'accord, d'accord, le côté du Keter. C'est comme montre lui et lui va se montrer. Alors voilà, Chazak. Maintenant il y a aussi les deux, il y a les deux dimensions d'ailleurs aussi qu'on retrouve dans la dracha qu'on a déjà vu aussi à Nil et Dodiv et Dodili, il y a une réciprocité, il y a toujours quelque chose qui va du bas vers le haut et quelque chose du haut vers le bas. Donc ici, on retrouve ça dans cette dimension de Keter et Da'at, si vous voulez. Donc, Rosh Hashanah, d'abord, il y a cet aspect-là, c'est-à-dire, Léoré, Ritnasu, Ta'at, Smith, Sheba, Enfisov, Makom, Oriabatas.
Alors là, le rabbi va donc rentrer dans une dracha très très intéressante qui va synthétiser en fait tout ce qu'on a dit. Le passage de Tehillim, il dit la chose suivante, que Hachem nous choisisse notre nachalatenu, c'est-à-dire notre héritage. C'est-à-dire, en deux mots, c'est comme si David Amelaire, quand il prie ici, il dit que Kadosh Bukhu, il fasse le choix de nous, qu'il nous choisisse, nous. D'accord ? Ki inyan le tamlichuni al bnei Yisroel, ou lo mitzad avodatam betorah ou mitzvot, et la mitzad abechira akovshit. Alors, le mot qui est soulevé ici dans la dracha de ce passage de Tehillim, c'est yivrar lano. Yivrar, c'est-à-dire choisir. C'est quoi choisir ? Nous, on connaît le mot choisir dans le libre choix, dans le libre arbitre. D'accord ? Donc le libre arbitre, normalement, c'est un choix que tu fais indépendant. Donc ce n'est pas un choix, c'est sous la contrainte, ce n'est pas du libre arbitre. Si je te force à faire quelque chose, si je te manipule, ce n'est pas du libre arbitre. Ok ? On comprend que quand à Kadosh Baruch Hu, on lui dit que Hachem nous choisisse, ça veut dire que ça vient de sa liberté à lui, évidemment. D'accord ? Donc, ce qu'on appelle Bechira Chofshit Delemala, c'est comme si c'est la liberté divine d'en haut, le libre choix divin. Qu'est-ce que ça veut dire ? Nipne Sheneshamot Israël Mouchachot Be Atzmut Lemala Gam Me Ashurech de Torah Mitzvot. Et là, il ramène un concept qui est développé dans les Sifrei Chassidut, dans les Sifrei Kabbalah, que le Shoresh d'Israël, le Neshamot d'Israël, il vient d'un niveau qui est même au-delà de Torah ou Mitzvot. En fait, c'est même au-delà même des Sfirot. Ça vient d'un certain degré de la Hatzmout. Au sens où il nous est marqué dans les Midrashim, dans les explications, pardon, Kishalam, Persono, Livroet, Aolamot, quand est monté à l'esprit de Dieu de créer les mondes. Qu'est-ce qui est monté dans l'esprit de Dieu ? C'est marqué, c'est les Neshamot d'Israël. Midrash, tout de même, il dit, c'est les Neshamot d'Israël qui sont venus à l'esprit de Dieu. C'est-à-dire, en quelque sorte, c'est comme si, avant même de créer le monde, Akadosh Baruch Hu, il a pensé à des Neshamot. Donc, c'est à quoi il a pensé à des Neshamot ? Parce que c'est. Pourquoi Hachem veut créer un monde ? Pourquoi il crée toutes ces galaxies, toutes ces choses ? Pourquoi il a créé tout ça ? Alors, nous, on le comprend, il a créé tout ça, hein. Parce que, on va essayer de prendre un exemple. Quand il y a tellement d'exemples que tu peux prendre, mais quand tu veux quelque chose, au départ, tu le veux pourquoi ? Par exemple, dans l'image qu'on a donnée de quelqu'un qui veut construire une maison, qui a un désir de faire une maison. Mais c'est quoi au fond ? Pourquoi tu veux créer une maison ? C'est quoi ? C'est pour dire à tes copains, regardez, j'ai une belle maison. C'est pour dire, j'ai réussi, j'ai fait quelque chose. C'est pas ça, t'as quelque chose peut-être plus profond. En fait, ce que tu veux, tu penses à ta femme que tu veux la rendre heureuse. Tu te dis, mes enfants, je veux qu'ils aient une belle jeunesse. Peu importe ta kavana. Mais t'as une kavana pnimite. D'accord ? Après, Kavana Fritzoni, tu pourras dire, ouais, c'est pour sauver de l'argent, parce qu'un loyer, c'est baltacherie, tu vas trouver d'autres causes. Mais il y a une cause plus profonde, véritable, qui t'anime au fond depuis que tu es jeune, je veux donner à ma famille une belle maison. Je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que tu ne l'as pas eu quand tu étais jeune, j'en sais rien. Mais il y a une raison qui est limite. Alors, ça, on va donner plein de raisons psychologiques. Mais à Kadosh Baruch Hu, quand il crée le monde, il a une raison aussi. Une raison qui nous dépasse, mais la raison la plus limite qu'on peut toucher, c'est qu'il avait envie d'avoir des créatures. Il avait envie d'avoir un monde avec des créatures. Comme tu as envie d'avoir une maison, tu as envie d'avoir une maison pour y résider. Mais Kadosh Baruch Hu, il voulait avoir un monde avec des créatures pour y résider. Et les créatures essentielles qui l'intéressaient, eh ben c'était les Neshamot d'Israël. Pourquoi les Neshamot d'Israël ? C'est-à-dire les Neshamot qui seront dans une certaine relation avec lui. C'est comme si, je te disais dans l'image de ta maison, ben oui, aussi ce que j'avais envie quand j'ai voulu créer ma maison, une grande maison. C'est comme ça, je peux avoir des invités, je peux faire venir des rachamim, faire des chiots de Torah. Tu peux me dire ce que tu veux, c'est vrai. Mais peut-être tu avais une raison encore plus profonde, encore, voilà, c'était rendre heureux ta femme. D'accord ?
Ben, c'est la même chose. Akadosh Baruch Hu, il a toutes les raisons qu'il veut pour créer le monde. Mais Mashallah Birtsono, qu'est-ce qui est venu dans son désir, dans sa volonté de créer? C'était quoi? Ben, c'était qu'il avait envie de ses Neshamot d'Israël. Ça, c'est comme ça qu'on voit les choses, que le Midrash nous a transmis. Alors, Olachen, Omer Akadosh Baruch Hu, l'achlifam beouma achet ani yachol. Donc, c'est marqué au début du Midrash sur route, que Kadosh Baruch Hu, il dit, moi je ne changerai jamais de nation. Donc, les Goyim, ils ont, en particulier les chrétiens, hein, ils ont, les chrétiens, les catholiques ont développé pendant des centaines et des centaines d'années, jusqu'à assez récemment, un concept qui est que le clan d'Israël a échoué dans sa mission avec Dieu, et que du coup Hachem les a rejetés, c'est pour ça qu'ils sont certains en exil, c'est pour ça que le Talmud a acheté des trucs qui sont partis en exil, et que il a choisi pour les remplacer enfin quelqu'un de convenable qui était l'Église. Ça, c'est le discours officiel de l'Église pendant des centaines d'années. Les Chachamim nous disent et nous prouvent par exemple à partir de ce passage que Yivrar l'anon et Nachaletenu, que Kadosh Baruch Hu nous a choisi, que Yevchar le Achlif Otam, le Achlifam Beuma Acheret en Yachol. La Kadosh Baruch Hu dit je ne peux pas parce que je les ai choisis trop profondément, ils sont trop. C'est comme ça, pour me donner toutes les raisons, mais c'est eux que j'ai choisi, je ne peux pas vous expliquer pourquoi. C'est comme ça. Alors, même s'il n'y avait pas ça, nous, on a toutes les prophéties qui nous disent que Kadosh Baruch Hu va nous ramener, et qu'il va ramener en Eretz Israël, et qu'il ne nous a jamais rejetés pour l'éternité, qu'on a été repoussés jusqu'à ce qu'on fasse Tshuva, etc. Mais c'est pas qu'on a été, c'est pas qu'il y a eu une tmoura, c'est pas qu'il y a eu une substitution de la fonction d'Israël qui a été substituée, enfin qui a été échangée maintenant par d'autres. Impossible de changer ça parce que la relation, elle vient d'un niveau trop profond, qui est ce niveau, si vous voulez, que de choix profond d'Hachem qui ne va jamais revenir en arrière. Kadosh Baruch Hu, il a fait une joie, il a décidé, c'est plusieurs manières de dire les choses, si vous voulez, qui fait qu'il y a un kécher qui est trop, trop profond entre lui et nous pour qu'il nous change. En yachol, je ne peux pas. C'est comme si Hachem, il est lui-même, il est dans sa décision et ça ne reviendra jamais là-dessus. Bibli abet al ma'amdam ou matzava be'avodatan ba Torah ou be'mitzvot, et ça c'est indépendamment évidemment de tout ce qu'on va faire dans Torah ou mitzvot. Même si on ne fait pas Torah ou mitzvot et même si ça mène toutes les notions, ce lien il ne peut pas être brisé, c'est impossible, il est essentiel. Il est, on le représente aussi comme par exemple un rapport de père et de fils, quand on dit Mishallah Birtsono, c'est-à-dire que c'est quelque chose comme une neshama d'un fils qui vient d'abord dans le cerveau du père, et après se manifeste une goutte de semence, mais qui était là, donc qui fait qu'il y a déjà quelque chose de, il y a quelque chose d'intrinsèque, la relation entre Israël et Kadosh Baruch Hu. V'inyanze naaseh al-yedezeh shebni Israël me'oririm be'atzman et habitu l'apnimi shemitzad etzem ha'neshama. Donc, tout ça, si vous voulez, on est encore dans cet aspect du Keter, qui fait que, si on veut rappeler ça, si on veut réveiller ça, si on veut remontrer ça, ranimer ça, il faut qu'on soit dans un bitoul complet en disant voilà, on est pour toi et toi tu es pour nous, et c'est indépendamment de tout ce qu'on fait. Donc, si vous voulez, tout ça c'est une avoda de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, on sonne le chauffard pour se réveiller et on se présente devant Akadosh Baruch Hu en disant on est avec toi. On peut pas. Toi, tu ne peux pas ne pas être avec nous et nous, on est avec toi. On s'annule complètement, on est prêt à tout pour toi. D'accord. Ça correspond à ce Keter de Malchut, si vous voulez. Ce Keter de Malchut dans lequel on efface totalement. On n'est pas sur ce qu'on a fait, on n'est pas sur. On est simplement dans l'acceptation de ta transcendance, de ton absolu, de ton choix que tu as fait depuis le départ. D'un autre côté, on a vu que dans Elul, il y avait aussi le Tikkun Alma She'avar, de ce qui est passé. Avatikun à la Shana chez Avraham, ou allié des Cheshbon Sedek chez Osim, chez Osea Adam, Benogal, Avodat, Torah Mitzvot. Donc maintenant, l'autre aspect de Elul, qui est en fait d'une certaine manière le premier pour nous, qui est
le Cheshbon Nefesh, le Cheshbon Tzedek, la remise en question, l'analyse, l'introspection qui va permettre de se transformer. C'est une forme, c'est Teshuva qui vient comme en fait qui vient par rapport à Torah Mitzvot, d'accord. Ketzad qui aime être ruké à Meler. C'est le moment de se poser la question, est-ce qu'on a bien fait les Mitzvot ou pas? Est-ce qu'on a fait ce que Kadosh Baruch Hu attendait de nous? Ve'inyan ze sher lebechinat amalchut kefiché be'itrabrut el ha'am. Et ça, donc cet aspect, ce premier aspect de Elul qui est présenté ici en deuxième, celui qui nous concerne nous, eh bien, c'est celui qui concerne le peuple, c'est ce qu'on avait appelé dans la chaîne de Rabbi Levi Yitzhak, Dat. Donc le côté Dat de Elul, c'est la remise en question, c'est le cheshbon en effet. Le côté keter, c'est l'annulation qu'on va trouver en disant à Kadosh Baruch Hu, Meler, à Rosh Hashanah. Ok, Dalet, donc on va lire le dernier hot. Et Kevan Sheelul Uteva Achat. En fait, c'est vrai qu'on a distingué deux choses, mais tout ça c'est condensé dans le même mot. Pas qu'il y a deux mots. Aremouvan, chez Alo Velo, c'est-à-dire le lot avec un Aleph et le lot avec un Vav, des Elul, Enam Inyanim Nifradim, ce pas deux choses qui sont séparées fondamentalement. Et là, M. Beofen, chez le Chibour, ou Kishon Atsemar Tzedek, chez Beelul, Mitraber Lo, Lo. Donc, effectivement, dans l'Or Torah du Tzemar Tzedek, c'est marqué que c'est Mitraber, que le lot et le lot avec Vav et avec Aleph s'unifient, sont rattachés. Parce que c'est cette double dimension qu'on a dans Elul. On a à la fois cette nian-là de faire notre part par rapport à ce que nous, on n'a pas fait, ce qu'on doit changer, ce qu'on doit transformer. Et d'un autre côté, cette acceptation que Kadosh Baruch Hu, il est totalement de la de nous, que c'est lui qui décide tout, que c'est son désir à lui, que nous, on dépend que de lui. Ok, alors comment on peut expliquer cette idée? Comment on peut expliquer que les deux sont réellement attachés? Comment on peut faire le lien entre ces deux choses et pas simplement deux aspects qui sont fondamentalement différents et qui partent dans deux directions différentes? Cheshbon Tzedek, Shel Shana She'avra, Lo De'Elul. Donc, le Cheshbon Tzedek, on a dit, donc c'est la Medvav, c'est ce qui descend. C'est-à-dire, Inyano Teshuva Al Masim Lo Tovim Betikunam. C'est-à-dire, la Teshuva sur ce qu'on a fait de pas bien, la le tikkun de tout ça, va sticha ve akapara la maasim alotovim nimshechen miyud gimel midot arhamish ne mala mishtashelut lo. Alors, il faut savoir que il y a deux choses. Il y a pas de tchouva et il y a la kapara, comme on l'a vu dans le Tanya. C'est-à-dire que toi, tu fais tchouva. Imagine par exemple, je te donne un exemple entre deux personnes, deux humains. T'as fait du mal à quelqu'un. Bon, ça n'existe pas, je sais. T'as fait du mal à quelqu'un. Donc, tu fais tchouva, tu demandes pardon. Tu viens, tu essaies de réparer, tu essaies de faire mieux. Okay. Tu fais ta part de tchouva. Maintenant, ça ne suffit pas. Il faut que l'autre aussi te pardonne. Il faut que l'autre aussi, il veuille rétablir la connexion telle qu'elle était avant, et peut-être même mieux. C'est pareil avec Akadosh Baruch Hu. Nous, on fait notre tchouva, mais après ça, hein, il faut qu'en quelque sorte, il y ait quelque chose qui vienne d'en haut, qui vienne d'Hachem, pour réparer ce lien. C'est ce qu'on appelle aussi la kapara. D'accord. Et donc, en fait, cet aspect de tchouva qui vient de nous, bah ça correspond au lamed vav. Et cet aspect d'effacement de la faute et de kapara et d'amour qui rétablit la connexion et même encore mieux, bah ça c'est ce qui vient d'en haut, c'est le lamed alef. D'accord. Et il y a ces deux dimensions dans Elul. Qui d'afka mitam ze she'en ma'aset artonim nogea sham nimshachim misham kapara vetikun alchet vechison. En fait, qu'est-ce qui fait que la personne elle te pardonne, ou ici que Akadosh Baruch Hu te pardonne et qui ramène l'amour? C'est parce qu'il t'aime profondément. Tu t'es disputé avec ta femme, il y a des mauvais mots qui sont sortis, il y a une blessure qui l'a touché ou dans l'autre sens. Ok, mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment tu dis bon, c'est pas grave? Pourquoi? Parce que l'amour que tu as pour elle, elle dépasse, elle permet d'effacer tout ça. C'est ça la kapara. Kapara, ça veut dire nettoyer, c'est effacer. D'accord. Pourquoi? Parce qu'il y avait un amour transcendant, il y avait quelque chose qui était là, au-delà, qui vient pas des mains, qui vient de la profondeur. D'accord. Donc, la même chose avec Kadosh Baruch Hu. Donc, c'est comme si le Lamed Vav, c'est lui qui amène le Lamed Aleph.
Oui, Lamed Vav, c'est-à-dire notre avoda de Tchouva, c'est ça qui permet de révéler cet amour indéfectible et qui dépend de rien d'Akadosh Baruch Hu pour son peuple. Nimshirim Misham Kapara Vedikun Al-Khet Vechisaran Bemaaseh Atartonim ou Be'avoda de Torah Mitzvois. Et donc aussi dans l'avoda, donc ça va permettre effectivement de réparer maintenant, là ça va être la Kapara de ce sur quoi on vient de faire tchouva. Nous on vient de faire tchouva sur les problèmes qu'on a eu dans Torah Mitzvot. Mais qu'est-ce qui fait que Akadosh Baruch Hu, il accepte cette tchouva et qu'il efface cette faute? Eh bien c'est cet amour inconditionnel. Donc ça représente cet aspect qui vient, si on reprend dans la chaîne de Rabbi Levi Tzrak, ça veut dire qu'il vient du Keter maintenant. Vechen et Dar Gessa, mais d'un autre côté on peut voir aussi le lien dans les deux sens. C'est marqué Tamlikhuni Alechem de Rosh Hashanah, quand on dit Akadosh Baruch Hu dit à Rosh Hashanah, faites-moi régner sur vous. C'est-à-dire, Amrachat ben Israël et Akadosh Baruch Hu le Meler. Le fait que nous, on s'annule et qu'on accepte Dieu comme le roi suprême, etc. Deinu Bechinat Amalchut Sheba En Leam Tfisat Makom. C'est-à-dire le lot. Le fait qu'on accepte donc le lot, qu'on est avec le Aleph. C'est-à-dire, le fait qu'Akadosh Baruch Hu, il règne sur nous d'une manière au-delà même de nous, si vous voulez. Tachlita avec Amanatal et Avi Avodat de Torah Mitzvot, Lishmo Beshlemut et Trukia Meler, l'eau, avec un Vav. C'est-à-dire que quand à Rosh Hashanah on va dire Hachem, c'est toi le Meler, c'est pas simplement pour qu'on s'efface et qu'on ait des doigts le Meler et repart chez toi, c'est pas du tout ça, c'est toi le Meler et on est prêt maintenant à faire des changements dans notre vie, on est prêt à t'accepter dans notre vie. C'est-à-dire que le lot avec un Aleph, il entraîne un lot avec un Vav. Donc on a les deux choses. D'un côté, on avait le lot avec un vav, qui était notre tchouva, qui va réveiller le lot avec un alef, qui est l'amour inconditionnel d'Hachem. Et d'un autre côté, le lot avec un alef, qui est l'acceptation de la grandeur infinie de Dieu et de sa malchut, fait que, a pour but de l'amener aussi dans nos ma'asim et de transformer nos ma'asim. Pourquoi tu es mekabel la malchut à Rosh Hashanah? C'est en même temps en te disant, bah, grâce à ça, je vais vraiment faire ton remisvot, parce que si j'accepte pas sa malchut, bah, rien commence. D'accord? Valier des poalim, donc on est au dernier paragraphe. Poalim chez Inyan de Ivrar Lanou, quand on fait référence donc à ce passouk de ce lien qui fait qu'Akadosh Baruch Hu nous a choisi et qu'on retrouve à Rosh Hashanah. Lo Yisher le Ma'alam Yishtat Shelut, et bien ça ne va pas rester au niveau suprême, au niveau transcendant qui est au-dessus de la Yishtat Shelut. Et là, Yisgale le Mata, c'est-à-dire l'eau avec un Ava. Bektiva vechatima teuva leshana teuva msuka lechol echad veachad meyisrael betov anire veanigle mata mesarat tfuchim. Aïe 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 aïe. Ça va se manifester au monde. Le vav c'est comme un chazak. Le vav. Le vav c'est comme un crochet, nous disent les chachamim. Le vav c'est le crochet. D'ailleurs le mot crochet il se dit vav, le vavine. Le vavim, ouais. Par exemple, dans le Mishkan, on parle des crochets, c'est des vavim. C'est un des termes pour dire des crochets, c'est des vavim. Pourquoi? Parce qu'ils représentent. Alors, c'est quoi le crochet? C'est ce qui permet de s'accrocher. Donc, le vav, c'est une droite qui représente l'amshacha, mais qui est accrochée là-haut. C'est-à-dire qu'il y a un kécher avec le kaven, ça y est, dans les spirantes, il va depuis le kéter jusqu'en bas, justement, en marcoute. C'est-à-dire, c'est. Il fait le lien entre le haut et le bas. C'est un crochet, c'est pour attacher des choses. Ouais. Alors, c'est belle sikha profonde. Hein, c'est belle sikha. Je suis pas agressif. Hein. Khazak ou